Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maïksou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouvelle présentation aujourd'hui, je vous parle de l'édition Steelbook 4K Ultra HD et Blu-ray du film It's a Wonderful Life, un classique de Noël qui a été réalisé par Frank Capra et qui met en vedette James Stewart et Donna Reed. Donc, l'année passée, j'ai même parlé de l'édition 4K de ce long métrage-là, même une critique avait été faite. Mais ici, cette année, c'est l'édition pardon, l'édition Steelbook qui arrive maintenant en magasin, en fait depuis le 3 novembre 2020. Et donc ici, c'est évidemment distribué par Paramount Pictures. Donc en gros, c'est l'histoire d'un homme le soir de Noël qui est vraiment déprimé. Il a beaucoup de difficultés au sein de sa vie, notamment avec de l'argent. Et un ange va venir l'aider à voir la vie d'une nouvelle manière. Donc, je vais prendre le temps de le déballer et vous montrer à quoi ressemble cette édition Steelbook. Voilà. Donc, voici à quoi ressemble le devant de la pochette. À l'arrière, on a ici également quelques images. Voir. C'est évidemment noir et blanc. Le film, il date de 1946, hein, donc c'est pas d'hier. Au niveau des pistes sonores, elles sont disponibles en anglais mono, True HD. On a également du français, de l'espagnol mono, également de l'anglais DVS qui est inclus avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Comme je l'ai dit, c'est ça, un film de 1946 en noir et blanc. Et on a aussi une édition couleur qui est disponible. C'est d'une durée de 130 minutes, un ensemble ici de deux disques. Au niveau des suppléments, on a le long métrage en 4K pour la version noir et blanc rematricée. On a également le long métrage sur Blu-ray ici qui est la version colorisée. Et au niveau des suppléments, on a ici, attendez, restauré un classique adoré en 4K. On a également film amateur de la fête de la distribution. Original et davantage au niveau des suppléments. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui est mentionnée, mais c'est quand même ici une version restaurée qu'on a le droit ici. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos en arrière du disque de plus à vous dévoiler. Donc, allons voir. Ah, attendez, je vais juste faire attention parce qu'on va retirer la partie cartonnée. Je vais prendre le temps. On peut voir ici. C'est marqué Every time a bell rings, an angel gets his wings. Voilà, qu'est-ce qui est écrit à l'arrière. Donc, si je l'ouvre tranquillement, on a ici, attendez, je vais prendre le temps de retirer ça. Je vais vous le montrer par la suite. On a ici un feuillet publicitaire avec à l'arrière le code de la copie digitale. On a, je vais les placer comme il faut. On a ici le premier, le disque en 4K. Ensuite, le disque en Blu-ray. Voilà. Et si je retire le second disque, on a une image de les différents personnages du long métrage. Sinon, je vais juste prendre le temps de replacer les disques. Le feuillet publicitaire. Et il y avait du contenu supplémentaire qui est, je crois, l'affiche du long métrage. Voilà. Donc, pour les amateurs, des collectionneurs, c'est quand même ici une très belle édition qui nous est proposée d'un classique du cinéma qui date quand même ici, comme je l'ai dit, de 1946. Donc, si vous êtes un amateur du temps des fêtes, hein, qui s'en vient, si vous aimez ça, pourquoi pas vous replonger dans un classique ici en édition Steelbook, distribué par Paramount et déjà disponible en magasin depuis le 3 novembre 2020. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement, est-ce que vous aimez les éditions Steelbook?
N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!